Salut les amis, aujourd'hui je me trouve dans la baisse de Scuvion au-dessus de Castillon et je vais explorer l'ouvrage que vous voyez là derrière. On a une petite tranchée. Hop. On va rentrer dans ce bloc. Alors celui-là est vraiment sympa. On a les petites tablettes là avec encore les ancrages pour le fusil mitrailleur. Donc là il y en avait trois. Un ici. Un ici. Là, on voit qu'il y a des ancrages. Alors je ne sais pas si c'était pour protéger l'entrée. Certainement. On voit qu'il y a. Alors ça, si c'est d'époque, c'est vraiment super sympa de tomber là-dessus. Alors apparemment, ça serait de 1940. On a plusieurs inscriptions, donc je ne sais pas si elles sont toutes d'époque. Sortir de là. Je pense qu'il a pris cher celui-ci. Il a été attaqué à l'obus. On va essayer de trouver l'entrée. Est-ce qu'ils sont ici? C'est la première tranchée complète de la sorte que je trouve. J'espère qu'on en fera d'autres. Alors là, je crois qu'on est sur l'entrée. Ouais, effectivement. Ce tunnel là, je pense que ça servait d'abri. Ça me fait penser un peu à celui qui est au col Saint-Bernard. Avec l'ouvrage qui n'est pas très long de celui-ci. Hein. Ah, ça fait plaisir, on a le soleil qui se lève. Sinon, on s'est tapé. 1h30, 2h de marche, donc dans le brouillard. Alors là, on doit être sur les réserves d'eau. Ou bien station de récupération d'eau peut-être aussi. Il n'y a rien de plus autour. Ça grimpe un petit peu. Alors avant de rentrer, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus. Ouais, ça grimpe pas mal là. Alors, on est sur un petit bloc d'observation, je dirais. De protection des bords, parce qu'on voit pas grand chose hormis les accès au fort.
Et là, je crois qu'on est arrivé au sommet de l'ouvrage. Pareil. Bon, là, je dirais que c'est plus un pic d'observation. Principalement tous les pics. Bon là, aujourd'hui on verra pas grand chose parce qu'il y a du brouillard. Alors du coup bah, on va rentrer dans l'ouvrage. Allez, c'est parti. Il y a une sacrée porte blindée là, qui a été défoncée. Très peu d'écho aussi. Un réservoir, stockage. Alors, okay. Je vais rester sur mes gardes puisqu'à l'entrée j'ai vu que au niveau de l'espèce de barbecue, il y avait un petit valet brosse, une petite couverture. Donc dans le cadre où je serai squatté, on va rester prudent. D'observation plus haut, je dirais 7-8 mètres. Une petite fenêtre ici. Alors, j'ai l'impression que cet ouvrage est tout petit, qu'on a déjà fait le tour. Donc là, on arrive sur un bloc. Celui-là, il a pris dans la gueule en fait. On dirait un obus. On dirait que c'est pris un obus directement avant que le canon ait été explosé. C'est ce qui arrivait des fois. Un créneau et rien d'autre. Donc, une petite glissière en dessous. Un créneau assez gros. Bon, j'irai fusil mitrailleur là. Alors, là, une prise d'air, une petite cheminée. Là, c'est impressionnant là. Il est vraiment explosé celui-ci. Eh bien, je vous avoue les amis, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Je suis limite un peu déçu. Après, il est quand même bien, hormis le créneau explosé. Il a l'air d'être dans son jus. Hein. Écoutez, on va se faire pour le fun la petite tourelle. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais dérafer mon sac. À chaque fois, je reste coincé. Allez, c'est parti. Bon, voici du une main, les gars. Quand je filme, j'ai pas trop le choix. Alors, les amis, on est déjà arrivés. Voilà, en haut de l'échelle.
Alors cette tourelle est vraiment bizarre. Parce que là, donc il y a des petites marches, des marches poignées là sur le côté. Devant, donc c'est l'échelle principale. Donc là, pareil sur le côté droit. Et là, ce qui est vraiment bizarre, niveau de cette cloche là, c'est que la tôle, elle est vraiment très fine. Je pense que les balles devaient le traverser. Alors, je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Donc, si c'était une cloche d'observation, ou enfin de guetteur, ou bien simplement une ventilation. Puisque là, je pense que le coup de mitrailleuse, le gars se faisait littéralement défoncer, quoi. Donc, effectivement, on a ces vues là qui permettent d'observer. Je reste sceptique là pour le niveau protection. Vous voyez, c'est vraiment de la tôle, c'est la tôle merdique en fait. On va redescendre. Bon, bien les amis, on va se diriger vers la sortie. Donc effectivement, cet ouvrage est vraiment, vraiment tout petit. Bon, il est quand même composé de plusieurs blocs extérieurs. Je pense que la partie bunker, hein, c'est la partie sous terre, est vraiment très petite. Il pleut. On se prend quelques petites gouttes. Voici le bloc là, dans lequel nous étions tout à l'heure. Donc effectivement, quand on regarde bien, ils ont quand même pris sur la gueule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'autre. Il est complètement... Ah bah oui, effectivement. Oh, il s'est bien pris un obus dans la gueule, celui-là. Un obus où il a été saboté l'explosif. Mais au vu de la ferraille arrachée, là, comme ça, j'ai l'impression que c'est explosé de l'intérieur. C'est peut-être le canon aussi qui aurait explosé ou qui aurait été saboté. Là, les sangliers sont passés par là. Donc là, on est sur le dessus. Donc le bout de cheminée qu'on a vu. Le début de la tranchée. Avec la petite, le petit bloc dans lequel nous étions au tout début, on va essayer d'aller voir cette petite cloche d'observation. Si j'arrive à la trouver. Techniquement, elle devrait être par ici. Ah bah là voilà. Ah d'accord. Ah bah ok, je comprends mieux. Alors je pensais que c'était enfin que ça avait la forme d'une cloche à l'extérieur et finalement regardez. Alors là c'est pour moi c'est une première, hein, c'est la première fois que je vois ça. Alors voilà les petites vues par lesquelles je regardais tout à l'heure là. On les voit bien là. Elles sont dissimulées sous cette plaque. Là je vous avoue que c'est vraiment la première fois que je vois ça. Non, d'accord. La plaque a peut-être été rajoutée pour ne pas tomber. À moins que ce soit peut-être une issue de secours. Vous voyez ce que je vous disais, la tôle, elle est vraiment merdique. Hein, ça, avec les balles, ça se traverse facilement. Non, c'était peut-être une issue de secours. À ce moment-là, je pense que la trappe là, que je viens de soulever, elle n'était pas d'origine. C'est un peu moyen de quoi que je sais pas puisque c'est ultra particulier là, vous voyez un petit mécanisme c'est vraiment bizarre. Bon écoute on va la remettre là déjà ne serait-ce pour que personne ne tombe dedans. Il y a eu un peu plus de 2 heures de marche pour un si petit ouvrage, mais pour un si joli paysage, j'ai envie de dire.
Dommage qu'il y ait ce brouillard qui vient tout gâcher.